Donc, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai tout juste recommencé l'école et ça m'a donné envie, en fait, de vous filmer là, une vidéo de mes achats vestimentaires, donc de vêtements là, que j'ai achetés pour la rentrée. Donc, voici une petite vidéo haul parce que la dernière fois, vous avez semblé là, aimer ça. Donc, j'ai décidé de vous en refaire un aujourd'hui. C'est parti! Donc, je vais commencer par le commencement, en fait. Je vais vous montrer ce que j'ai porté pour ma première journée d'école. Donc, voilà! J'ai porté ça ici, comme ça. Donc, en fait, c'est des shorts en cuir avec un bandeau jaune. Donc, ça, c'est le kit que j'ai porté pour ma première journée parce qu'il faisait super chaud à Québec. Je vais tout de suite enchaîner avec la thématique, la super thématique là, qui est beaucoup, beaucoup présente cet automne dans les boutiques. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le modèle avec une ligne rouge et une ligne blanche, c'est bien, bien à mode. Et j'ai un petit peu beaucoup abusé de cette mode-ci. Quand j'ai fait mon magasinage, là, je trouvais tout beau. Je trouvais donc que ça faisait beau, chic, sportif. Mais je me suis rendu compte quand je suis arrivée chez nous que j'ai tout acheté. Dans le fond, tout le linge que j'ai acheté ou presque des lignes et des trucs rouges. Mais bon, je veux juste dire que ma garde-robe est plus diversifiée que ça là, dans la vie de tous les jours. Je porte pas toujours des lignes comme ça. Là. Tout d'abord, j'ai acheté cette robe-là. Je l'ai achetée plus tôt cet été. Mais je vous dirais que c'est surtout pour la rentrée là, que je vais la porter. Je trouve qu'elle est super belle. En fait, c'est une petite longue t-shirt que j'ai achetée chez Garage. J'ai acheté en fait aujourd'hui en même temps que mon ensemble un autre petit bandeau. Celui-ci, il est rouge plutôt que d'être jaune. Et ce que j'aime, c'est que c'est deux. Dans le deuxième est à 50%. Ça explique pas mal pourquoi je n'ai acheté deux. Par la suite, j'ai acheté, dans le fond, ça j'ai acheté ça chez RDM et c'est la collection Candle & Tidy que je trouve vraiment trop belle. Donc c'est en fait un bodysuit style laine, mais dans le fond, ça s'adapte, c'est serré sur la peau, là. Mais c'est confortable au bout. Puis j'aime vraiment là, les petites lignes ici comme ça. Comme je vous disais, c'est super à la mode, mais je l'ai essayé et j'ai vraiment aimé le look, donc j'ai acheté ça. Juste pour vous montrer à quel point je suis originale dans la vie, j'ai acheté une camisole noire, regardez, elle a des lignes sur le côté. Quand je dis que j'ai vraiment abusé, là, c'est de ça que je veux parler. Pour bien compléter le tout, j'ai acheté des super pantalons et je tiens à dire que j'en cherchais des comme ça partout. Je n'ai pas de cordon, je voulais que ça le fasse propre pour pouvoir les porter au travail, mais j'ai trouvé ceux-là au Ardennes. Ils sont super beaux, c'est un élastique dans le fond puis ils font propre là. Ça n'a pas l'air de les jogging du tout, donc je suis bien bien contente. Par la suite, j'ai acheté une petite robe serrée dans le fond avec des motif carotté jaune. Je vais vous avouer qu'est-ce que je fais, étant donné que c'est des petites bretelles vraiment minces. Je prends un chandail bédaine, un petit chandail blanc court bédaine, puis je mets ça par-dessus. Donc ça a juste l'air d'être un ensemble avec un petit chandail blanc en dessous. Ça fait super beau. Ça fait un beau look pour l'automne. Même cet été, je portais ça. Puis c'est ça. C'est juste un peu plus chaud parce que les bretelles sont vraiment petites comme vous pouvez voir. Mais ça se porte sans bretelles aussi. Puis elle n'est pas trop courte, là, elle m'arrête en haut des genoux. Et j'ai acheté ça au Urban Planet. J'ai aussi acheté quelque chose qui semblait bien à la mode. Le motif kaki semble être de retour là, en force. Et j'en ai vu pas mal partout. J'ai acheté un chandail kaki, finalement je n'en ai pas acheté. Mais il y a quelque chose que j'ai absolument à voir. Puis c'est des pantalons kaki. Comme ça, kaki avec des motifs d'armée, c'est super beau, ça fait automne, ça fait chasse campagne et ça me rappelle là, ça me rappelle la campagne parce que je viens de la campagne et aussi con que ça fasse paraître, bien ça va juste me donner un petit style automnal en me rappelant mon chez moi. Vraiment, j'ai acheté ça au Urban Planet, vous savez à quel point je suis toujours là, ben. Puis je tiens à dire qu'il y avait 40% de rabais sur tout. Sauf les nouveautés, donc ceux-là n'avaient pas le 40%, là, mais tout le reste des choses que j'ai achetées Urban Planet avaient 40% de rabais. C'est assez fou, c'est quand même vraiment fort.
Maintenant, passons à la catégorie sportive parce que vous savez que j'aime bien faire du sport quand même. Je m'entraîne au gym et j'ai pas pu m'empêcher de m'acheter du linge de sport. Donc, voici ce que j'ai acheté. Bien évidemment, il fallait pas que j'ajoute des bottes des lignes, vous savez. Donc, j'ai acheté des pantalons de sport rouges avec une ligne comme ça, mais ils sont tissus leggings, ils sont minces. Sont genre vraiment confort, c'est parfait, c'est des leggings mais lousses. Donc je trouve vraiment beau. Puis j'ai acheté ça au Urban Planet, il était 15$ puis j'ai 40% de rabais, donc c'est à peu près un gros 10$ avec taxes. J'ai aussi acheté des pantalons de jogging, vraiment plus tissu jogging, ils sont tellement confort là, honnêtement là je les trouve trop beaux, je les ai achetés chez Arden. Puis c'est parfait pour l'automne. Je mets ça pendant mes soirées Netflix sur mon divan. Donc c'est super confort. Et en même temps, c'est quand même stylé parce que c'est une bandelette comme ça. Puis au bout, il y a aussi un petit motif. J'ai acheté des leggings, bien évidemment. Et pour suivre la thématique de motifs armés que je dis que j'aimais bien, ben je me suis acheté des leggings de sport comme ça. Donc motifs armés. Et ce qui est beau aussi là-dessus, c'est que à l'arrière, voyez-vous, il y a un petit espace. Ben, c'est comme en toile. Donc, ça fait aéré. Puis, sont vraiment confortables. Sont pas trop minces. Sont pas trop épais non plus. C'est juste parfait. Donc, c'est vraiment fait pour s'entraîner. Pour terminer, j'ai acheté ce chandail-là après avoir hésité parce que je trouvais un peu que ça avait l'air d'une jaquette. Puis je me suis dit, je vais vraiment le porter, je vais pas avoir l'air de quelqu'un qui porte une jaquette. Mais je vais être honnête avec vous, je trouve que ça va vraiment faire un beau style avec des leggings. Tu sais, je mettrais pas ça avec des culottes de jogging là, parce que c'est sûr qu'il faut quand même essayer de porter ça avec de quoi qui fait un beau style. Si je porte ça avec des pantalons de jogging, je vais juste avoir l'air de fille large qui voulait pas s'habiller. Donc, c'est ça. Donc ça va faire vraiment un beau style sportif chic. Avec des petits leggings ou encore des jeans, mais de quoi serrer bien évidemment parce que c'est lousse. Puis le tissu, comme vous pouvez constater, c'est un peu le tissu de robe de chambre. Mais pour de vrai, j'ai regardé des photos sur Instagram, Pinterest, puis ça semblait à la mode. Donc en fait, voilà, c'est pas mal là, ce qui faisait le tour de mes achats pour la rentrée scolaire de cet automne. J'espère que ça vous a donné des idées. J'espère que vous avez aimé que je vous montre mes achats. Si c'est le type de vidéo que vous aimeriez voir plus souvent sur ma chaîne, mentionnez-le dans les commentaires parce que je vais être honnête avec vous, je magasine vraiment souvent, que ce soit pour des commissions, du maquillage, des cosmétiques, des vêtements. Si vous aimeriez voir plus de vidéos de ce genre-là, donc des hauls, juste me le dire parce que j'aime faire ça aussi, j'aime ça vous montrer ce que j'achète. Donc tout ça pour dire, j'espère que vous avez aimé et passez une belle journée!